Mais ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui je laisse tout passer. Tu es tellement belle. Merci. Je n'arrive pas à croire que cela est déjà en train d'arriver. Si. Sérieux. Et j'en ai la certitude que tu seras la prochaine. Pardon, tout le monde n'est pas appelé à ce moment. Ce n'est pas vrai, tu ne peux pas dire ça. Un instant, Charles. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé voir la mariée avant le jour du mariage. S'il te plaît, quitte sur mon chemin. Bébé, tout va bien? Je pensais qu'on s'est entendu sur quelque chose de moins coûteux. Un instant, je vous en prie. D'accord, madame. C'est mon mariage et je dois être top pour ma cérémonie. Donc parce que c'est ton argent que toutes les décisions te reviennent? Mais ce n'est pas vrai. Nous avons planifié ce mariage ensemble et avons pris les moindres décisions tous les deux. Pourquoi tu dis ça? Oh, comme le fait que tu décides de payer l'organisatrice du mariage sans me tenir informée. Mais non, ce n'est pas vrai. Elle menaçait de nous laisser tomber et j'ai essayé de te joindre en vain. Tu sais quoi? Je m'en vais d'ici. Je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire quoi? Le mariage n'aura pas lieu. Ah, bébé! Bébé! Quelqu'un devrait fermer ses yeux. Mes yeux sont fermés? Tu peux les ouvrir maintenant. Oh mon Dieu, bébé. C'est toi qui l'as fait? Oui, mon amour. Waouh, c'est adorable. Juste pour toi. Oh mon Dieu. C'est très beau. Il a du goût? Oui, c'est vrai. Il y a les noix de coco dedans. Ravi que ça te plaise. J'adore. Et toi aussi, je t'aime. Voilà. Bonjour, madame. Ah, bonjour. Qui êtes-vous? Je cherche madame Esther. Elle est là? Qui êtes-vous? Le chef ne connaît pas. Je remets cette voiture comme cadeau d'anniversaire. Ah, cette voiture? Oui. Attends, attends, je vais la chercher. Elle est à l'intérieur. Madame! Je pense que tu devrais le proposer à tes clients. Ils aimeront beaucoup et ça te ramènera des sous. Bien sûr, je le ferai. C'est une innovation. Oh, waouh, c'est vraiment beau. Tu es si romantique. Oui, entrez. Oh mon Dieu, c'est très beau. Madame? Oui? Il y a quelqu'un là dehors pour vous. Il amène une belle voiture. Il dit que c'est votre cadeau d'anniversaire. Une très belle voiture. Tu es sérieuse? C'est dehors. Oh mon Dieu, c'est monsieur à qui je l'ai. Tu es... Ok, d'accord, j'arrive. Ok. J'arrive, bébé. Tu connais à qui je l'ai, n'est-ce pas? Ouais. Il a promis de m'offrir une voiture comme cadeau d'anniversaire, en guise de remerciement concernant le contrat. En plus, je ne me doutais absolument de rien. Oh mon Dieu, ces gens. Ah, tu sais quoi? Je vais voir tu ça. Je suis de retour dans un instant. Trésor. Oh bébé, j'adore ton gâteau. Je reviens. Je suis de retour dans un moment. Ravi.
Où se trouve la reine du jour? Je suis là. Hey. Wow. Oh, c'est très beau. Pour les anniversaires, oh, sucre d'orge. Avez-vous vu ça? Déjà 31 ans sur cette terre. Tu le mérites plus. Merci. C'est juste un gâteau, j'espère. Je te fais confiance. Tu sais quoi, Mabuse? Assieds-toi. Je vais te le dire. Crache le morceau. J'ai une tournée spéciale pour toi. Ok. Après ce jour, ce week-end, nous irons au Palace Versace. Sur le champ? Dubaï! Merci. Oh, merci chérie. Beaucoup. Bébé, c'est le plus grand hôtel du monde entier. Tu es sérieuse? Oui, trésor. Oh mon Dieu. Tu mérites le meilleur, mon amour. Je t'aime encore plus. Mais est-ce que tu es vraiment sérieuse? Viens te faire un câlin. Oh, c'est cool. C'est le plus cher du monde. Salut. Wow. J'irai forcément avec vous, les filles. Oh, arrête ça. Excuse-moi, je reviens tout à l'heure. Ok, d'accord. Je t'aime, tu es la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un. Je veux dire, dans ma prochaine vie, je veux être ta meilleure amie. Je sais. Mais dis-moi, qu'est-ce qui cloche chez M. Sombor? Il m'a l'air très énervé. Oui, je pensais que j'étais la seule à l'avoir remarqué. Non, je ne pense pas. Il va très bien. Vraiment? Oui. Moi, c'est une sonnerie. Si tu le dis. C'est quoi le problème? Oh mon Dieu. C'est... Mais attends. Mabuse, attends. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Assieds-toi, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Ça, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais, ça. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Esther, si tu me le demandais, je te dirais, Kinsley ne mérite pas tes larmes, pas du tout. Comment a-t-il pu rompre avec moi le jour de mon anniversaire? Je suis une mauvaise personne? Non. Qu'ai-je fait? Je suis d'accord avec toi. Ce qu'il a fait est totalement impardonnable. C'est injuste. Au moins, ses sentiments étaient sincères. Oui. Laisse-moi encore y jeter un coup d'œil. Esther, je n'appartiens pas à ton monde. Je suis désolée de ne te le dire qu'aujourd'hui. Comment quelqu'un peut-il être aussi sans cœur? Comment? Au moins, il n'était pas ce G.O. qui a pris ma sœur pour un guichet automatique avant d'admettre qu'elle était véritablement trop sophistiquée pour lui. Je pensais que c'était du sérieux entre nous. Voyons, Esther. Ce gars avait l'air d'être un gigolo de première classe. Ce n'était pas de ta faute. Tu as essayé de le rendre sophistiqué, mais il n'avait aucune estime de soi. Je pense que April a parfaitement raison. Oui, Kingsley me semblait intimidé par ton influence. Ce n'est pas de ta faute. Désolée, je suis pas triste. Oh. Esther, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée, ma chérie. Oh. Qu'est-ce qu'on veut bien faire pour elle?
crois-tu être? Dans un film? Je t'en prie, laisse-moi être ton Roméo. Namdi, c'est juste pour le sexe. Donc, je ne peux pas offrir des fleurs à la femme avec laquelle je couche? Merci. Autre chose? Oui, je dois aller à une conférence à Abuja ce week-end. Tu sais avec qui tu dois t'y rendre? Elle est partie rendre visite à sa mère. Alors, fais appel à une escorte, s'il t'est impossible de rester seule. Si. T'es en retard. Je sais, je suis désolé. C'est la troisième fois que tu le fais ce week-end. Je n'aime pas ça. Tu sais que c'est difficile de trouver un taxi dans mon secteur. Et les taxis ont doublé les prix. Ok, je te promets. Je te donnerai une fraction de mon salaire. Ok? Tu vois le couple qui est là-bas là? Ouais. Ils ont payé. Okay. Tout le reste doit encore. C'est bon. Merci. On se dit à demain. Prends soin de toi. À demain. S'il vous plaît, vous devrez partir, nous allons fermer. Vous ne me ferez pas partir d'ici. Ah, un autre cas d'ivresse. Hé, je n'ai pas le temps pour les demoiselles en détresse. Réglez votre facture, rentrez à la maison, j'irai aussi me reposer. C'est quoi le problème? Je n'ai pas de copain, je n'arrive pas à m'en trouver un. Ok, j'aimerais que tu me payes ce que tu me dois. Comme ça, je rentrerai à la maison et toi aussi, tu iras te reposer. C'est quoi tout ça? Ah! Mon chéri, si tu m'aimes, reviens-moi. Tu t'en vas, tu me laisses. Pourquoi tu me laisses, chérie? Enfin. Qui es-tu? Tu ne te rappelles pas? Le serveur. Ouais. Où sont mes vêtements? Comment je vais me retrouver dans ça? J'espère que tu n'as rien fait de stupide. À part vomir un peu de partout, rien de spécial ne s'est passé. Tu m'as aidé à enfiler ceci? Ah non. Quand nous sommes arrivés à ce niveau,
Tu t'es débrouillée à le faire toute seule. T'inquiète pas, rien ne s'est passé. Quelqu'un viendra-t-il te chercher? Eh bien, je n'ai pas mon téléphone sur moi, s'il te plaît. Appelle un taxi. Désolé, je n'ai pas de numéro de taxi dans mon téléphone, mais je pourrais te déposer si tu le souhaites. Où sont mes vêtements? J'ai lavé tes vêtements ce matin. Je pourrais te les mettre dans un sac si tu le veux. Et qu'est-ce que je mets sur moi, ça? Je pense que tu n'as pas d'autre choix. Tu pourras garder les vêtements après utilisation. Je t'attends dehors. Mais que se passe-t-il ici? Monte, on y va. Que je monte où? Je pensais que tu me déposais. Ça, c'est un vélo. Monte, on y va. Ah, il est hors de question que je m'asseye sur ça. Bien. Hé! Et comment je suis supposée m'asseoir sur ça? Là, juste là. Allons-y. Ne me perds pas le temps. Je m'assois comment? Tu peux décider de t'asseoir comme ça ou comme ça. Assieds-toi juste pour qu'on y aille. Je suis en retard. Mais tu es brute. C'est quoi ça? Je ne suis pas à mon aise. Tu vas continuer à te plaindre ou bien t'asseoir afin que nous puissions quitter ce lieu. Je suis supposée t'arrêter ou autre chose. Ne m'arrête pas. Assieds-toi juste, on y va. S'il te plaît, amène-moi où je peux prendre un taxi. S'il te plaît, un taxi. Je t'en prie. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Madame, je sais que vous avez demandé à ne pas être dérangée, mais votre mère vient d'arriver. Est-elle au courant que je suis là? Oh mon Dieu, elle a dû voir ma voiture. Si d'accord, tu peux partir. D'accord, madame. Bonjour, mon bébé. Maman. Tu ressembles à la momie. La même vieille histoire. Assez de tout ceci. Nous allons sortir. Maman, je veux aller nulle part. Je veux juste rester au lit. Je n'ai pas demandé ton avis. Tricia. Oui, madame. Prends mes valises au salon et amène-les dans la chambre des invités. Tu sais combien j'aime mes affaires. Oui, madame. Oui, madame Ike. Ok, vas-y. Lève-toi. Maman. Lève-toi et prépare ton batterie. Donne-moi juste un peu de temps. Je vais t'aider. Maman, arrête. Laisse-moi, je vais comme je ne peux pas le faire. Laisse-moi le faire. Si d'accord. Ok, c'est d'accord. Patricia, pourquoi as-tu le visage comme ça? Où sont allées madame et sa mère? Anita, c'est quoi mon nom? Hé, hey, quelle question, je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Serais-tu en train de perdre la mémoire? Ton nom c'est Patricia, pourquoi me le demandes-tu? Merci. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué dans ce nom pour que madame et sa maman veulent me rebaptiser? Hein? Madame m'appelle Pat. Ce n'est même pas ce qui m'énerve. Sa maman m'appelle Tricia. Tricia, c'est mon nom. C'est ce qui te met en colère. Tu viens me poser la question. Si le nom ne te plaît pas, dis-le leur.
Celle-ci t'appelle Pat, l'autre t'appelle Tricia. Tricia, si tu associes les deux, ça donne Patricia. Pourquoi ça t'énerve? Hein? Donc je peux t'appeler Ta. Ou alors Annie. Hé, hey, arrête. N'essaye même pas. N'essaye même pas. Ne m'appelle pas Annie ou autre. Mon nom, c'est Anita. Et toi, Patricia, on t'appelle pas. Et l'autre t'appelle. Les noms qui te sont attribués ne me concernent pas. Appelle-moi juste comme il devrait, Anita. Donc c'est moi qui devrais répondre à ces appellations. Hein? Ces appellations sont pour les chiens et je ne suis pas une chienne. Si tu le prends comme ça, ça me concerne. En quoi ça me concerne? Hein? Elle t'appelle comme elle veut. Dis-la juste que ce n'est pas ton nom. Pourquoi me donner un nom qui n'est pas le mien? Ne me tente pas, n'essaye même pas. Mais il fallait me dire que tu as des vues sur mon travail, non? Donc tu veux qu'on me renvoie au village. Hein? Ne me fais pas rire. Ta manière de réagir. Attends, tu es malade? Va-t'en d'ici. Tu travailles derrière, n'est-ce pas? Va continuer ton travail. Regarde-moi, laisse-moi c'est faire le mien. Ça te concerne. Laisse-moi te dire. Cette histoire de Patty qu'on m'appelle là. Mon nom, c'est Patricia. Patricia. Si tu m'appelles encore Patty, je vais t'appeler Anini. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'arrives même pas à le prononcer. Patrie. Tu es malade? Regarde-moi. Ta tête, comme Patrie, n'importe quoi. Hey, reviens ici. Qu'est-ce que tu fais comme ça, hein? Tu sais, le roi Salmo avait raison. Je suis d'accord. Un peu d'alcool, c'est bien pour l'organisme. Jette un coup d'œil sur le jeune homme qui s'approche. Je n'ai pas la tête à ça. Salut! Maman! Salut! Ouais, salut. Ça te dirait de t'asseoir avec nous? Ouais, ça serait un plaisir de m'asseoir en compagnie de deux belles dames. Merci. Je me prénomme Noé. Okay. Et elle, c'est ma petite sœur. Maman! Esther! Soyons francs. Est-ce que j'ai l'air d'une maman? Oh, tu m'as l'air resplendissante. Merci. Je m'appelle Ike. Enchantée de te connaître. Ike. Ça, c'est ce qu'on appelle coïncidence. Mon défunt mari s'appelait Ike. Wow. Esther, imagine, tu épouses quelqu'un qui porte le nom d'Ike. Tu n'auras même plus besoin de changer de nom après le mariage. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Quoi dire de plus? Hein? Je vais bien. Ouais. Comment tu vas? Salut. Bonsoir, fils. Oh, mon Dieu. Oui. Maman,
Je ne pense pas avoir besoin d'une relation amoureuse maintenant. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une pause. Et j'ai besoin de petits-fils. De petits-fils? Abraham est là. Ta mère a besoin de petits-fils. Maman, mais voyons, tu es encore jeune pour parler de petits-enfants. Arrête ça, s'il te plaît. Allez. Ça ne m'intéresse pas. Ta sœur prend très bien soin de toi. Regarde-toi, tu as très bonne mine. Merci, maman. De rien. En passant, Sœurette, où as-tu passé la nuit dernière? J'ai essayé de te joindre toute la journée. J'ai dormi à l'hôtel. Oh, d'accord. Dans tous les cas, il y a un sujet énervant. Le patron de la compagnie E-Cops a appelé et il dit qu'il nous retire le contrat demain. Pardon? Il semblerait que quelqu'un leur a offert un meilleur service. Et crois-moi, tu n'aimerais pas savoir de qui il s'agit. Allô, Monsieur Noir, je vais aller droit au but. J'ai appris via le groupe Vine que votre décision d'écourter le contrat avec notre société est en fait le résultat d'une meilleure offre. 10% de revenus. Oui, quelqu'un allait dans notre dos pour le faire. D'accord, assez vrai. Alors, pouvons-nous nous rencontrer au bureau? D'accord, bye. Oui, je sais, donne-moi juste un peu de temps, c'est tout ce que je demande. Je reviendrai forcément. S'il te plaît, fais entrer les sacs et donne-nous quelque chose à boire. D'accord, madame. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, tu sais, je suis juste fatiguée. Il y a ces demandes de charité à qui on a eu recours qui est de 3 millions. Et on ne les a pas encore reçues. C'est juste qu'on réalise qu'on en a fait tout le monde en si peu de temps. Je veux dire qu'on a construit 3 maisons différentes à 3 familles différentes. Et nous créons des emplois pour une demi-douzaine de femmes qui sont sans emploi. Je veux dire, tout arrive au même moment et je... Je ne sais plus. Waouh, c'est intéressant. Cela veut dire que tu fais quelque chose de bien. Bébé, c'est ma manière à moi de rendre les gens d'accord. D'accord, et je n'ai pas envie de les décevoir. Ok, d'accord. Que dirais-tu si je te donnais cet argent? Attends, tu es prêt à me donner ces 3 millions? Je ferai tout pour rendre mon bébé heureux. Tu es sûr? Oh bébé, c'est très gentil. Ce n'est que chose normale. Je t'aime. Merci beaucoup. T'as pas besoin de me remercier. Tu sais, je vais te donner les coordonnées bancaires pour que tu les transfères cet agent. D'accord, aucun souci. Je lui dirai qu'il est de moi. Merci. Bébé. Bébé, voyons, arrête-toi. Laisse-moi tranquille. Bébé. C'est quoi le souci, Abraham? Doucement. Que veux-tu? Je veux que ma fiancée revienne. T'as-tu aperçu? Ta fiancée? Oui. Allez, bébé. Abraham, on avait un rendez-vous hier, oui ou non? Oui, on avait, mais je t'ai envoyé un message. Un message? Oui, bébé. Le même message qui disait que tu devais représenter ta sœur à une réunion. Dis-moi, Abraham, dis-moi juste... Pourquoi elle ne pouvait pas être présente à cette réunion, hein?
Je suppose que c'est parce qu'elle a un amoureux qui compte pour elle. Écoute, écoute, bébé. Toi, mieux que personne, sais très bien que ma sœur se démène pour faire marcher notre société. Pardon? Un instant. Tu as dit notre société? Oui, notre société. Non, garçon. Je pense que tu devrais dire sa société que tu l'aides à faire marcher. Écoute, bébé, tu sais, ma sœur fait partie de ma famille. Attends, ta sœur, c'est ta famille? Ben ouais. Et je serai ton épouse. Alors, de quoi aurais-je l'air? Une mendiante? Voyons, bébé, ne parle pas comme ça. Allez, pourquoi parles-tu ainsi? Et pourquoi pas? Qu'attendais-tu vraiment de moi? Hein? Abraham, l'autre jour, on avait rendez-vous. Mais tu l'as annulé parce que tu devais accompagner ta sœur. Je ne sais où. Où diable elle se rendait? Mais allons, bébé, tu sais très bien que ma sœur est ma boss. Oh. Enfin, là, c'est clair. Maintenant, tu parles avec raison. Enfin, tu admets qu'elle est ta patronne, hein? Bah oui, c'est ma patronne. Tu sais qu'elle peut se réveiller un matin et décider de te foutre à la porte, n'est-ce pas? Écoute, bébé, c'est quasi impossible. Alors, arrête de parler de ça. Arrête. Ou elle épousera un homme et décidera de lui léguer la société en nous laissant sans sou. Mais arrête ça, chérie. Ma sœur ne peut pas se lever comme ça et décider de me renvoyer. Tu dois arrêter de dire ça. Abraham. Oui, bébé. Je ne vais pas m'y mettre avec toi. Je suis en train de crier dans la rue comme une femme qui a perdu la tête. Écoute, tu ne me rendras pas folle, d'accord? Laisse-moi tranquille. Attends. Ne me rends regarde, pas bête. Écoute, écoute, bébé. Peux-tu... Abraham, peux-tu je vais te donner attends, un coup. Attends, je vais littéralement te faire mal. Salut toi. J'espère que tu n'es pas en train de vouloir me faire ta demande parce que je vais te balancer un truc sur la tête et elle va disjoncter. C'est juste un cadeau. Pour quelle occasion? Pourquoi est-ce que tu es si cynique? Les hommes ne tombent pas amoureux des femmes comme nous. Ils peuvent nous épouser pour de l'argent, mais pas par amour. Nous sommes trop bien pour eux. Ils préfèrent ces femmes faciles qu'ils peuvent contrôler. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de dénigrer la junte masculine. Et il y a des hommes qui aiment bien ce genre de femmes. Puis-je te poser une question? Aurais-tu épousé ta femme si elle disposait de plus d'argent que toi? Il est tout à fait naturel que les hommes possèdent plus de richesses que leur épouse. Il était impossible aux hommes de voler au-dessus de l'océan avant que les frères Wright n'inventent l'avion. Il n'était non plus possible aux hommes de parler à leurs proches qui étaient à des kilomètres avant l'invention des téléphones. Mais quand les femmes gagnent plus d'argent que les hommes, ce n'est pas normal. J'aime ton tempérament. Il aime mon tempérament. Les hommes aiment les femmes comme nous juste pour le sexe. Ils ne nous prennent pas pour être leurs épouses. Je connais ma place et je m'y sens bien. Referme la porte derrière toi. Malgré cela, je te laisse ceci. À bientôt. C'est quoi le problème? Je ne sais pas. Je crois que ça doit être une crevaison. Oh. D'accord. On fait quoi maintenant?
Un instant, je vais jeter un coup d'œil. Je vais appeler mon mécanicien. D'accord. Oui, allô? Bon après-midi. Comment va le boulot? Ok, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. J'ai un souci avec ma voiture. Ok, ok, je me mets tout de suite en route. D'accord, merci. Il dit qu'il est à l'atelier. Rendons-nous là-bas. Ok, conduis prudemment. Compte sur moi. Ce n'est pas Ike. Ike? Mais c'est Ike, mon mécanicien. Ton mécanicien? Oui. Lui, c'est Ike. Ike? Esther? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que toi tu fais ici? Vêtu de la sorte? C'est mon atelier, tu vois. C'est mon atelier. Tu m'avais pourtant dit que tu es un ingénieur. Ouais, je suis ingénieur en mécanique, c'est pareil, non? Et tu as omis de citer cette partie? Cette partie qui est la source de tes revenus? Écoute, bébé, je suis le propriétaire de cet atelier. Ce que tu vois là m'appartient. Et si on se marie, on utilisera ton argent pour agrandir cet espace et ce sera bien, hein? Un instant, chérie. Est-ce que Ike, mon mécanicien, est le Ike dont tu parles? Oui. Oh Dieu, elle est terrible cette vie. Tu devrais avoir honte. Fait, tu es stupide. Tu es un menteur pathétique. Comment tu peux faire ça, mon ami? Es-tu malade? Ferme-la. Tu ne veux pas te marier. Bientôt t'atteindras la ménopause. S'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu lui parles ainsi? Écoute, bébé. Quand tu viendras avec cet argent, nous allons étendre cet espace et sera très grand. Ah, essaye de me comprendre. April, s'il te plaît, allons-nous-en. Pense-y, bébé. De nos jours, les hommes sont très vicieux. Pense-y. Qu'est-ce que c'est? Mon ami, lève-toi de là. Oh, laisse-moi tranquille. Je veux rester dans mon lit toute la journée. À cause d'Ike, le mécanicien, tu devras avoir honte de toi. Pourquoi c'est si difficile de trouver le vrai amour? Je veux dire, j'ai juste besoin d'amour. C'est tout ce que je veux. Peut-être que tu devras arrêter de chercher. Le mariage me rendrait vraiment heureuse. Attends. Et si je me faisais passer pour une pauvre fille? Peut-être je trouverais un prince riche qui tombera amoureux de moi et découvrirait éventuellement que je suis une personne riche. Et il sera en colère que je lui ai caché que je suis une personne riche. Mais il me pardonnera certainement parce que il sera amoureux de moi. Et nous vivrons heureux pour toujours et pour la vie. Passons maintenant à la seconde étape. Tous les deux êtes déjà mariés. Et le prince commence à te détester parce qu'il ne peut supporter ton attitude excessive. À cause de son manque d'estime en soi, il te tue, puis commet un suicide. C'est quel genre d'histoire ça? Je suis sûre que tu n'as pas pensé à cette partie. Oh non, chérie, ce dont tu as besoin, c'est d'un homme pour le sexe. Bien sûr que non. Si! Allez! Va là dehors, cherche-toi un bel homme, couche avec lui, sans toutefois espérer une bague à ton doigt.
C'est très facile. Il est hors de question que j'applique des conseils venant de toi. Surtout en relation amoureuse. Là, tu as raison, parce que je n'en ai aucun à te donner. Maintenant, lève-toi de ce lit. Allez, lève-toi. 1, 2, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Je vais apporter de l'eau. Lève-toi. Je vais t'apporter de l'eau. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Sucre d'orge. Madame, c'est notre heure de fermeture. Assieds-toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ebuka. Ebuka. Moi, c'est Esther. Ravie de te connaître. Merci beaucoup pour la dernière fois. Je n'ai pas eu le temps de te remercier. Je t'ai apprécié. Oh. Je vous en prie. Ce sera tout. Récemment, j'ai fait face à beaucoup de déceptions dans mes relations amoureuses et mon ami chéri m'a conseillé d'entretenir des relations sexuelles pour m'aider à avoir un meilleur contrôle sur mes émotions. C'est bien pour vous. Alors, pourquoi me dire tout ceci? Tu veux goûter? Non, merci. Tu passais la nuit dernière. Oh mon Dieu, maman. Je suis désolée de n'avoir pas prévenu. J'ai passé la nuit chez April. Ce n'est pas grave. Ce dimanche, je vais inviter quelqu'un à dîner et j'aimerais que tu sois présente. Qui? Quelqu'un que tu connaissais. Oh. Je l'ai rencontré pendant mon shopping. Cette personne n'a pas de nom? C'est une surprise. Bonjour, maman. Ah, bonjour, mon fils. Comment tu vas? J'espère que tu as bien dormi. Oui, je l'ai fait. Serrette, tu n'es pas habillée pour le travail? Dans tous les cas, le président de Greenwich a appelé et il dit qu'il est en route pour le bureau. Oh, déjà, oh mon Dieu, j'ai oublié. Tu devras le rencontrer à ma place, d'accord? Oh, j'ai une réunion avec Samson ce matin. Mais tu peux le faire plus tard dans la journée. Et pourquoi tu ne le ferais pas, toi? Dans ce cas, que feras-tu? Dans tous les cas, j'ai rendez-vous avec Maria. Le rendez-vous avec Maria est-il plus important que la société que tu gères avec ta sœur? C'est bon, maman, je vais me débrouiller. C'est bon. Je vais très vite me préparer. D'accord. Ma puce, tu dois tout me raconter. Madame, tu es folle. Tu es vraiment, vraiment folle. Je le sais. Alors dis-moi, comment c'était? Bien, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que je viens d'entendre? D'accord. Il n'y avait pas de pression, aucune attente. Personne n'essayait de plaire à l'autre. C'était juste une totale liberté.
et de plaisir. Je te l'avais dit, nous sommes tous rattachés au sexe. En effet, le sexe est une grosse affaire. Ok. Désolée, madame, je ne dirai plus rien. Ok. Alors, est-ce que cet Olivier en demande plus? Oh non. Même s'il le faisait, je n'ai plus envie de le revoir. Je veux dire, après tout, j'étais très embarrassée. Pourquoi? Parce que tu es celle qui en a demandé? Voyons, chérie, les femmes devraient plus s'exprimer sur les affaires de sexe. La vie nous appartient. C'est pas tout le monde qui est comme toi. Mmh. Tu m'aimes comme ça. Ouh. Ouh. Hey, hey, qu'est-ce que tu fais? Ouh. Rien. Mais bébé, c'est quoi ces manières? J'ai annulé mon rendez-vous juste pour être avec toi. Une belle rencontre est censée embellir ma journée. C'est quoi tout ça? Tu as annulé ton rendez-vous? Et Dieu, au lieu d'être ici, tu aurais dû y aller. Pour que les gens ne disent pas que Maria est en train de vouloir lui faire perdre son emploi. Pardon. Pardon. En tout cas, qu'est-ce qu'il en est de ton amie? Elle était toujours prête à vendre sa voiture? Oui. Et combien as-tu déjà? Rien. Rien? Tu m'as dit garder de l'argent pour acheter une voiture, non? J'ai dû l'utiliser pour autre chose. Vraiment? En tout cas, je vais demander à mon conseiller bancaire de te faire un virement de 2 millions. Tu es sérieux? 2 millions? Attends. Ah ah. 2 millions de Naira? Oui, 2 millions. Ah ah. Bébé, la voiture coûte 3 millions et demi de Naira. Où suis-je censé prendre le reste? Oui, je sais que c'est 3 millions et demi. Tu auras le reste le mois prochain. Pour le moment, debout-toi avec 2 millions. Et plus tard, on dira que tu es le frère du boss. Que viens-tu de dire? Oh bébé, je suis sans voix, je suis si heureuse. Je ne sais pas, merci beaucoup. Merci. Je pense que tu devrais te détendre. D'accord. Je suis très contente. Je dois m'en aller maintenant. D'accord. Prends soin de toi et sois prudente. Oui. Anita. Oui, ma. S'il te plaît, fais venir Esther. D'accord, ma. Alors, comme ça, tu t'en souviens? Pourquoi ne devrais-je pas? Elle a fait comme si le monde allait s'arrêter si elle perdait la compétition. Je ne m'attendais pas à la voir, alors tu peux imaginer mon choc quand je l'ai vue sortie de la voiture de son père. Et M. Ike m'a fait lui promettre de veiller sur elle comme nous n'étions pas du même âge. Alors, dis-moi... Où se trouve M. Ike actuellement? Ça fait 7 ans qu'il est décédé. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolé, je ne savais pas. Merci Johnny. Ce n'est pas grave, la vie continue. Johnny, c'est bien toi? Ma star! Oh mon Dieu! Tu es sérieux? Regarde-toi. Où est-ce que tu l'as trouvé? Tu sais qu'après le secondaire, on a aménagé à Kaduna. Oui, tu étais admis à Unijoyce. Ouais, tu te rappelles? Bien sûr que je me souviens. Tu sais, après avoir soutenu à l'université, plus tard j'ai été employé par Big Loafer et Jazz. C'est l'année dernière que j'ai décidé de revenir ici pour lancer mon propre business. C'est bien. C'est vraiment cool. Merci. Alors dis-moi, es-tu marié? Non, je ne suis pas. Et qu'en est-il de toi? Tu l'es? Oh, tout... Toujours célibataire. Toujours célibataire. Ah, ta mère m'a dit que tu t'occupes de ta propre affaire. Une grosse entreprise. Non, techniquement, oui. Je n'ai pas eu la patience d'être salariée. Alors, j'ai décidé de construire mon petit monde et faire quelque chose pour moi. Bien, j'aime ça. Sais-tu que j'aurais aimé avoir la même idée en essayant de construire quelque chose pour moi? Il n'est jamais trop tard. Johnny, alors, comment vont tes parents? Vivent-ils toujours au nord? Non, ma mère et ma petite sœur se sont déplacées pour le village après que j'ai perdu mon père. Oh, c'est vraiment dommage.
Je suis vraiment désolée. Mon père aussi est décédé. Ta mère maladie. Oh, elle a fait? La vie continue. Sais-tu que je me bats encore pour trouver ma place dans ce coin? Elle va te faire visiter. Elle a passé 12 ans dans cette ville. Alors accroche-toi à elle. Oh. C'est bon, je vais te faire visiter. Alors dis-moi, comment tu te portes? Je me porte bien. Tu es tellement rayonnante. Oh, arrête, merci. Qu'est-ce que tu aimerais boire? Dans tous les cas, tu ne t'en iras pas aujourd'hui. Non. Mange et bois sur toi, à mon compte. Mon estomac. Ok, hein. Elle est où cette fille? Merci beaucoup d'être venu et je suis désolée de t'avoir retenu si longtemps. On n'a pas reçu des invités depuis pas mal de temps. Tu te fous de moi? Non. Je veux dire que je pourrais passer la nuit si tu me le demandes gentiment. Ma star. Oh, arrête de m'appeler ainsi. Mais avant, ça te plaisait? Eh bien. Tu sais que t'es jolie. Merci. Je sais que t'as toujours été jolie, mais t'en es devenue une reine. Viens là. Passe une belle soirée, Esther. Meilleur à toi. Prends soin de toi. Oh, mon Dieu. Maman? Oui? Tu m'as fait peur. Je pensais que tu étais dans ta chambre. Eh bien, je suis allée dans ma chambre juste pour que vous ayez un peu d'intimité. Intimité? Qu'est-ce que tu t'imagines maintenant? Dis-moi que toi aussi, tu ne penses pas à la même chose. Arrête de me regarder comme ça. Je l'apprécie. Mais j'ai peur. C'est que... j'ai peur de me retrouver le cœur brisé à nouveau. Écoute-moi, ma chère. Les cœurs sont faits pour être brisés. N'aie pas peur d'aller à un rendez-vous parce que tu ne voudrais pas que ton cœur soit brisé. N'abandonne pas jusqu'à ce que tu trouves celui qu'il te faut. J'espère qu'après Johnny, je ne serai pas obligée d'aller chercher quelque chose dehors. Je l'espère aussi. Maman, toi oui. Et moi, nous devons avoir honte. Oh. Je veux dire, ce gars ne nous a même pas encore demandé la sortie et nous sommes là à planifier le mariage. N'as-tu pas vu comment il te dévorait du regard aujourd'hui? Je suis sûre que bientôt il fera partie du plan. Donne-moi un baiser. Oh, il l'a fait. Ça wow. Pourrait être un baiser de l'amitié. Bien sûr, un baiser d'amitié. Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon je bébé. Je t'aime. Va dans ta chambre, on se verra plus tard. D'accord, j'y vais. Ça t'arrange? Oui, ça va. Qui est honteuse? Moi? Oui, toi. Ok, je ne comprends pas un truc. Comment prétends-tu aimer cette fille pourtant tu l'as rencontrée aujourd'hui? Attends, tu veux dire que t'es pas attentif? J'ai dit que cette fille et moi avions grandi ensemble à Inogo et nous sommes comme des meilleurs amis. Et je t'ai aussi entendu dire que ça fait 10 ans que t'as pas parlé à cette fille. Alors, je veux dire, est-ce que ça nous empêchera de tomber amoureux? Dis-moi. Tu sais quoi? Laissons tomber cette histoire, ok? Tu es assez vieux pour pouvoir interpréter ce que tu ressens. Si tu l'aimes, je te souhaite le meilleur. Bien. Et concernant ton bailleur? Quelle a été la conclusion avec lui? Oh, ce monsieur. Ouais? Il veut toujours mettre l'immeuble en vente. Alors il insiste que je sorte de son immeuble. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur? Tu es un avocat, tu peux le faire changer d'avis. Qu'est-ce que tu dis? Oui.
Je ne voudrais pas avoir pour ennemi un homme aussi puissant que Chief Adichina. J'ai déjà une idée, c'est d'aménager quelque part. Tout ce que je veux, c'est d'un endroit assez grand pour mon équipe et moi. C'est bien. Dis-moi juste quand je pourrai t'assister. Pour de vrai. Mais bien sûr, comment? Merci, mon frère. Je trinque pour toi. À l'amour. Ton amour. Waouh, cet endroit me semble classe. En effet, c'est l'un de mes restaurants préférés. Vraiment? Oui. Waouh, j'aime cet endroit. Tu devrais goûter la nourriture, tu vas adorer. Je suis impatient. Ouais. Bienvenue monsieur, bienvenue madame. Merci. Voici le menu. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu choisis? Comme d'habitude, des saucisses accompagnées du calamar. D'accord, madame. Quoi? Il y a un souci? Non. Je veux dire que le menu me semble intéressant. Oui, ça l'est. Ils ont beaucoup de variétés. Ce sera tout pour le moment. Je ne vais rien prendre. Mais non, bien sûr que tu devrais y goûter. Non, je veux juste voir manger. D'accord? Tu es sûr de ça? Ouais, je suis sûr de ça. Ce sera tout, mademoiselle. Dans tous les cas, le plat sera assez pour nous deux. C'est tellement consistant. D'accord. Mais on devrait commander un supplément de calamar. Un extra? Oui, et une bouteille de champagne aussi pour la soirée. Parfait pour nous. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin d'un extra. Allons, je n'en veux pas et je n'ai pas assez de temps, alors... Ouais... Et pourquoi? Ces garçons sont des criminels. Peux-tu t'imaginer qu'une bouteille coûte 700? Même si c'est l'eau que Jésus a transformée en vin, c'est trop coûteux. Mon gars, tu es la cause de cela. Quand tu es entré et que tu observes le menu, tu devais appeler la fille et lui demander de venir pour que vous en parliez. Tu devais simplement lui dire que mon budget ne suffit pas pour ce milieu. Tout est simple. Accroche ton sac où tu peux porter, que d'essayer de vouloir te tuer. Attends un peu. Tu espères que je baisse la carte avec une fille que j'essaye d'impressionner? Alors parce que tu essaies d'impressionner une fille que tu vas te tuer? Attends que je te dise. Cette fille est mon investissement. Une fois que je l'aurai épousée, tous mes problèmes disparaîtront. Je te le dis. J'ai cru entendre que tu aimais cette fille. Mais bien sûr. Est-ce que l'amour m'empêche de manger l'argent? Ok, bien, j'espère que tu sais ce que tu fais. Bien sûr, je connais le jeu. Alors, quoi de neuf? Tiens le coup. C'est tellement bon. April? Oui, maman. Dis-moi, quand nous présenteras-tu un homme? Quand les hommes deviendront des ballons. Pour le moment, ça semble encore drôle. Attends quand tu auras 45 ans et que tu te retrouveras seule. Esther aura déjà une famille à elle et en fera sa priorité. Tu seras...